Depuis la prise d'Éphèse, mon influence a grandi en mer Égée. Mais malheureusement, je n'ai pas encore le contrôle total de cette région, et pour arriver avec cet objectif, je dois encore affronter deux adversaires. Au nord d'Éphèse se trouve la riche cité-état de Pergamon, connue pour son marbre d'excellente qualité. Alors qu'au sud d'Éphèse se trouve la cité-état de Rhodes et son colosse qui me nargue depuis trop longtemps maintenant. Toutefois, avant d'envahir ces deux cités, je dois m'occuper d'un autre problème. Car c'est avec une grande surprise que j'apprends que Éphèse est assiégée par des barbares. Selon le rapport de mes espions, les effectifs de l'armée nuit ne sont pas si élevés que ça. Cependant, je décide de quitter Pessinus avec mon armée, car perdre Ephèse serait une catastrophe pour ma campagne. Malheureusement, il reste un problème, je ne pourrai pas arriver à temps à Ephèse. J'ai reçu cette information de la part d'un de des messagers envoyés par mon fils. Il m'annonce que le siège qu'il subit s'est intensifié et que l'ennemi risque de passer à l'attaque durant le mois. Et en ce qui me concerne, je suis à 40 km de la ville, je ne peux pas l'aider et j'espère qu'il résistera jusqu'au bout. L'armée ennemie est nombreuse, certes, mais après une entrevue avec le général ennemi, j'ai pu constater son jeune âge et son inexpérience du combat. Son inexpérience me donne un avantage pour la bataille. Et il ne faut pas oublier l'expérience de mes hommes en ce qui concerne le combat, et je les ai déjà menés dans de nombreuses batailles. Mes hommes doivent tenir les murs à tout prix, l'ennemi ne doit pas passer les remparts, car il risque de prendre le contrôle de la porte. Et pendant que mes hommes tiennent le mur, je décide de mener la cavalerie à revers de l'ennemi. Une fois dans le dos de l'ennemi, je vais pouvoir les charger avec ma cavalerie et en finir rapidement avec les hommes qui seront restés en réserve. Une fois la réserve des barbares écrasée, les troupes ennemies sur les remparts n'ont plus d'autre choix que de tenter de fuir pour sauver leur vie. Et en ce qui me concerne, je n'aurai plus qu'à les cueillir avec ma cavalerie et je pourrai anéantir la totalité de l'armée ennemie. L'ennemi a atteint les murs et il fallait s'y attendre. C'est maintenant à Méoplite de jouer leur rôle. Ils doivent mener un combat acharné et tenir le mur le temps que ma cavalerie arrive pour charger les troupes de réserve ennemies. Mes hommes tiennent, et du mieux qu'ils peuvent, face à ces barbares. Ce sont des combattants enragés. Ce sont des... Ils se servent autant de leurs poings que de leurs poignards et n'hésitent pas à fracasser des crânes avec leurs boucliers. Mais mes méoplis sont des soldats disciplinés et entraînés. C'est grâce à ce genre de troupes que Alexandre a mis à genoux l'Empire perse. C'est pour cela que je ne doute pas, les remparts vont tenir jusqu'à mon arrivée. Une arrivée qui se fait au nez à la barbe du général ennemi qui n'a pas vu ma cavalerie arriver derrière son dos. Il prouve là encore son inexpérience et il va payer cette erreur très cher. Les troupes ennemies sont paniquées en entendant ma cavalerie arriver derrière eux. Ils tentent bien de se replier pour se réorganiser, mais il est trop tard, ma cavalerie va décimer leur rang. À ce stade de la bataille, l'armée ennemie était quasiment décimée. Je pensais la victoire à portée de main, mais il s'est passé quelque chose. Au lieu de se replier, les troupes ennemies ont intensifié leur assaut sur les remparts pour prendre le contrôle de ces derniers. C'est un acte complètement désespéré de leur part, mais je dois avouer être impressionné par la ténacité de ces hommes. Un tel entêtement qui me décide sur le sort des soldats sur les remparts. En effet, j'avais prévu de réduire en esclavage les survivants et de les offrir à mon père. Mais je ne peux pas laisser en vie de tels soldats et je dois m'assurer que mes hommes les exterminent jusqu'au dernier. Après la victoire de mon fils, je pensais être débarrassé de ces barbares, mais voilà que j'apprends qu'ils ont envahi Pessinus. Cette tentative est complètement vienne, mais je dois avouer, j'étais surpris par cette attaque. Après leur défaite à Effet, je ne pensais pas les revoir avant longtemps, et voilà qu'ils recommencent à attaquer mon territoire. Et d'ailleurs, un messager envoyé par mon fils confirme ma crainte. Ces barbares sont un peuple bien trop dur à soumettre et il faut les exterminer jusqu'au dernier. C'est ainsi qu'après la reprise de Pessinus, je décide de tuer leur chef et de ne faire aucun prisonnier. Ma victoire contre les barbares me permet de repenser à mes objectifs principaux. Rhodes et Pargamon sont déjà au courant qu'un conflit va éclater entre nous. Et c'est pour garder un minimum d'effets de surprise que j'ai décidé d'envoyer mon fils et la flotte de Pella à Rhodes. De mon côté, je me prépare à envahir Pargamon en partant de Nicomédia. L'ennemi a l'avantage du nombre, mais cela ne va pas m'empêcher de prendre la ville. Et pour réussir à l'exploit de prendre une ville sans avoir l'avantage du nombre, je vais devoir jouer de stratégie. Ma première manœuvre est simple, je décide de diviser mes forces en deux pour faire croire à l'ennemi que je vais tenter de le prendre à Robert. Mais ce n'est en aucun cas mon but, je cherche juste à prendre l'avantage de la position en prenant les hauteurs. Une fois les hauteurs prises, je peux faire pleuvoir une pluie de projectiles sur mon ennemi. Mes frondeurs et peltas sont aguerris par de nombreuses batailles, et ils visent juste. Ainsi, les rangs de l'ennemi sont parsemés et la panique commence à gagner leurs rangs. Et pour être sûr de mettre un maximum d'unités ennemies en déroute. J'ai mené la cavalerie ennemie de sorte de prendre à revers les troupes ennemies. Et ces stratégies s'avèrent très fructueuses. Une partie de l'armée ennemie reste tout de même en réserve derrière les lignes. Je donne l'ordre à ce qui reste de mon flanc gauche de les retenir le plus longtemps possible, tant que je puisse de nouveau les prendre à revers avec ma cavalerie. Et ces stratégies s'avèrent fructueuses, et ce qui reste de l'armée ennemie est maintenant en fuite. Il ne me reste plus qu'à écraser ce qui reste de la garnison de Rhodes et prendre la ville. Rhodes est tombé, il reste toujours Pergamon, et en parlant de ces derniers, ils sont tentés d'assiéger Éphèse. J'ai envoyé mon armée dans la région, mais l'armée ennemie s'est repliée. Ce n'est pas pour autant que je vais m'arrêter là, et je décide très vite d'assiéger Pergamon pour en finir avec cette maudite cité-état. Mais c'est durant le siège de Pergamon que j'apprends que l'armée ennemie est en train d'assiéger Nicomédia. La garnison de Nicomédia est très faible en nombre. J'ai bien peur qu'il ne puisse pas tenir la ville, mais j'ai confiance dans les compétences du gouverneur. Du moins, je n'ai pas trop de choix de faire confiance à ses compétences. Même si je viens de prendre la cité de Pergamon, je ne peux pas intervenir à Nicomédia, la ville est bien trop loin. En tant que gouverneur de la cité de Nicomédia, je me dois de la protéger. Le problème est une que l'armée ennemie est nombreuse et je ne peux pas tenir les remparts avec les effectifs que j'ai. Je n'ai que quelques milices et d'autres plis inexpérimentés. Je ne pourrai jamais tenir les remparts avec de tels soldats et c'est pour ça que je décide de mettre en place une stratégie audacieuse. J'ai réussi à motiver une partie de la population de la ville. Je les ai équipés de frondes et de javelots, il n'y a pas besoin d'une grande formation pour savoir s'en servir. De plus, ma garnison possède une unité d'archers, ce qui me fait une grande variété d'unités à distance. Et là où toute la stratégie est audacieuse, c'est que je ne décide de ne pas placer ces troupes sur les remparts. Au lieu de ça, je les mets à l'intérieur de la ville et leur but sera de lancer des projectiles sur les troupes ennemies présentes sur les remparts. En parallèle, mes hoplites empêchent les ennemis d'investir la ville. Et cette stratégie s'avère très vite payante. Les troupes ennemies sont décimées sur les remparts et à l'intérieur de la ville. Mes projectiles font sur les troupes ennemies, la panique s'instille dans leurs rangs l'ennemi tente bien de fuir mais il est trop tard et je massacre une grande partie de l'armée le reste de l'armée ennemie n'a plus d'autre choix que de fuir et c'est une grande victoire pour la macédoine grâce à cette victoire j'espère bien obtenir une promotion mais j'espère tout autant que mon roi antigone réussira à réunir le royaume d'alexandre